Okay. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Ok, moi c'est monsieur Alain Gouet. Oui. Je suis agrologue, consultant dans la structure Voibus, donc le UBC. Donc c'est le cabinet qui a réalisé les travaux que vous voyez là. Donc je suis ici pour le cadre de cette exposition. Pouvez-vous nous parler de cette exposition? Cette exposition, elle est née d'une volonté. Une volonté, celle du gouvernement et de l'AFD. Vous savez, ça c'est un projet de la Banque mondiale. Tout ce qui concerne le projet de la Banque mondiale, là, tous les aspects doivent être respectés, surtout les aspects environnementaux. Le Long Panga, c'est l'un des rares projets les plus complets dans le monde, ayant respecté ces aspects-là. C'est pourquoi vous voyez au Cameroun, EDC, l'AFD a accordé une importance très particulière à cette discipline, à l'archéologie et à cette exposition. Dans la mesure où nous agissons aussi dans le cadre de l'archéologie de sauvetage. À sauvetage. Donc ça veut dire quoi? Si nous n'avons pas été à cet endroit précis, à Long Panga, ça c'est une partie de l'histoire qui devait s'envoler en fumée. Pouvez-vous nous parler des œuvres que vous avez pu collecter sur cette superficie? Bon, en archéologie, nous avons trois sortes de sites, vous comprenez. Donc il y a les sites de faible priorité, les sites de moyenne priorité, il y a les sites de haute priorité. Donc ça veut dire, il y a certains objets qui ont été collectés en surface. Donc ça veut dire, en faisant le monitoring, on a vu ces objets-là. Il y a d'autres qu'on a prélevés à l'intérieur en fouillant. Donc ça, c'est le cas des sites de haute priorité. Donc comme objet, nous avons tout genre d'objets. Pourquoi? Donc ça veut dire que ces objets retracent le passé, tout le passé, jusqu'à la période subactuelle de l'histoire du Cameroun. Donc là-bas, nous avons des outils en pierre taillée, les études en pierre polie, nous avons la céramique, quand on parle de céramique maintenant là, c'est déjà l'âge du fer. Donc là maintenant, là, nous on connaissait, à l'âge des céramiques là, on a connu déjà ce qu'on appelle le fer. Il y a les fourneaux, quand on voit le fourneau, voilà, quand ça, vous voyez les tuyaux là quelque part là. Donc c'est par là, vous voyez même les traces là, les scories. Là, vous voyez comment vous faites peut-être une bougie, vous allumez une bougie, vous voyez comment la bougie fond, c'est comme ça que la loupe de fer fond. Il y a les restes qui sont durs là, ce qu'on appelle les scories. Donc la preuve en est que, ça c'est la preuve que, ici, à Long Panga, le peuple de la vallée de l'homme maîtrisait déjà la métallurgie du fer. Ce qui casse beaucoup, c'est une éducation acquise ça et là, qui tente à croire bien, laisser croire que le peuple africain n'avait pas une certaine connaissance. En matière d'agriculture, en matière de transformation du fer. Ok. À ce niveau, il y a une histoire d'idéologie. Cette idéologie, vous savez, les Européens taillent toujours, comment dirais-je. Donc, ils prennent toujours. Donc, ils ont des visions eurocentriques des choses. Or, là, maintenant. On parle de l'eurocentrisme. Oui, l'eurocentrisme des choses. Or, au jour d'aujourd'hui, l'archéologie, c'est une science qui ne manque pas, ça demande. Tout ça là, vous voyez par exemple, là, vous avez vu les pipes là tout à l'heure. Là. Oui. À ce niveau là, ces pipes datent du 15e siècle. Au 15e siècle, quel est le colon qui était derrière Long Panga? Il n'y a personne. Donc ça veut dire que vous voyez là, donc ça veut dire que c'est déjà une thèse que les pipes, c'est une invention locale avec. Hein? Donc ça veut dire qu'on n'a pas découvert les pipes avec l'arrivée du colon. Ok. Et au-delà de tous ces faits, quelle est la valeur matérielle intrinsèque de votre découverte de l'humain immortel? Oui. Premièrement, d'abord, dans la valeur scientifique, Long Panga, nous avons découvert plus de 100 sites. Ça fait déjà une page dans l'histoire du monde, dans l'histoire africaine. Ça fait déjà une page côté scientifique. Et là maintenant, quelle valeur? Là maintenant, on va voir la valeur économique. Pourquoi? Parce qu'avec ces objets, on peut créer des musées. Hein? On peut créer des musées. Avec les musées, je vais vous raconter une histoire. Je suis allé pour la première fois visiter un musée en France. C'était impossible pour moi.
de partir. Je suis arrivé où il y avait plein de touristes. Donc ça veut dire, pour visiter un musée, c'était 10 euros. Donc ça veut dire, il y avait ce nombre de personnes-là, ce nombre de personnes par jour. Ça fait déjà une valeur économique, une valeur économique en capacité de touristes. Et deuxième des choses, quand les touristes arrivent quelque part là, on peut développer tout un tourisme. Quand les touristes arrivent peut-être dans un pays, il y a les devises. Il y a les devises. Et l'échange des devises qui font tourner l'économie. Ils font tourner l'économie, certainement. Et là maintenant, quand ils arrivent, ils font comment? Ils ont les hôtels, n'est-ce pas? C'est l'économie. Ils prennent des taxis. Hein? Ils achètent des gadgets pour rentrer. Donc tout ça, c'est l'économie. Ça, c'est l'économie. Et là maintenant, là, il y a, comme je disais tantôt, là, cette portée scientifique-là, il y a certains paradigmes qu'on doit déjà briser. Comme lequel, par exemple? Par exemple, que les pipes. Oui. Les pipes, le fait de laisser croire à une certaine jeunesse que c'est une technologie des anciens qui a été importée. Les ancêtres connaissaient déjà son usage. Parce que ça a été daté du carbone 14. Oui. Là-bas, ça ne manque pas. Ça te donne la date. Ils ont là au 15e, à Lompanga, quel est le colon qui est entré. Il y a un niveau là, il y a aussi cette théorie de l'utilisation de la métallurgie de fer. Oui. On a toujours cru que le fer est venu de l'Égypte. Oui. Hein, de l'Égypte. De Meroé. Oh, avec ces fossiles. Hein, avec ces fossiles, on trouve que l'invention du fer est locale. Regardez par exemple le cas de. Il y a des sites de métallurgie qu'on a eu à découvrir à Obobogo. Ce n'est pas loin de vous aussi, en Komtou. Oui. Montre que le fer, vraiment par rapport aux dates que les Européens nous donnent, le fer a été inventé. Ce qui remet en question tout un système éducatif. Voilà. Et au ministre là, pourquoi est-ce que sur le plan social, on note que les jeunes Camerounais, les jeunes Africains, pour la plupart, ne sont pas trop intéressés à ces découvertes? À ces découvertes. Non, le problème, c'est la médiatisation. Hein? Donc là, maintenant, il faut, je vois, là, l'autre jour, lors de notre conférence de débat, il y avait des journalistes. Hein? Il y avait des journalistes. Donc ça veut dire que tout ça, là, ça doit passer par les faits des médias. Parce que c'est les médias qui pompent la publicité. Et quand vous regardez, par exemple, une filière comme l'archéologie, elle existe bel et bien à Yaoundé. Oui, hein? Oui. Mais les gens, et c'est une nouvelle filière. Et là, maintenant, les gens préfèrent les filières anciennes, le droit, ceci, cela. Parce qu'au Cameroun, c'est quoi? C'est une histoire de débouché que les gens se posent toujours là. Quand je vais faire l'archéologie, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais donner quoi à ma famille? Donc c'est une science qui est vraiment très fermée. Et de vous en moi, est-ce que l'archéologue s'en sort? L'archéologie s'en sort. L'archéologue s'en sort. Très bien. Très bien. Bon, nous avons fait, j'ai fait de la construction du pipeline Tchad Cameroun. Vous arrivez, Côte Courant était évalué dans les 100 000 jours. Nous avons fait un Polongwe. Là, de l'autre côté de Kribé, là, même chose. EDC, même chose. Mais le véritable problème, c'est quoi? C'est là. C'est l'archéologie où les gars s'en sortent, où les gens s'en sortent, c'est la préventive. Parce que c'est la business archéologie. Hein? Business archéologie. Parce que là, normalement, un test avait été écrit par le chef d'État. Donc ça veut dire que quoi? Il n'y a pas de mouvement de terrain sans archéologue. Hein? Mais à ce niveau-là, les gens sont mal compris, les archéologues sont mal compris. Donc ça veut dire que l'État camerounais tarde à l'appliquer. Or, dans le pays européen, pas de mouvement. Même votre fondation que vous faites pour votre maison, un archéologue doit intervenir. Et là, maintenant, heureusement qu'on comprend déjà la force des choses. Tous les grands travaux, tous les grands chantiers structurants-là, demandent d'abord à ce que les archéologues doivent passer pour pouvoir sauvegarder ce patrimoine-là qui peut s'enfuir. Donc si je vous comprends bien, si la Banque mondiale n'avait pas exigé que le service d'archéologie passe, ce sont autant de richesses qui seraient passées inaperçues, évidemment, qui auraient été enfouies, détruites. Évidemment. Quel est le message que vous pouvez passer aux... Le message que je veux passer, il va falloir vraiment... D'abord, je m'adresse à l'État. Hein, je m'adresse à l'État comme on est. Parce qu'à ce niveau, il va falloir qu'il crée beaucoup de musées. Beaucoup de musées. Puisque voilà plus de 100 000 objets que nous avons eu à découvrir. Ces objets auraient pu être utilisés à la CAN 2021, 2019 par exemple. Évidemment. Là, maintenant, quand vous regardez les musées comme le musée de Berlin, la plus belle pièce du musée de Berlin,
c'est une pièce camerounaise, le trône du roi Bacham. Et le problème qui se pose maintenant, la rétrocession, le problème qui est de l'actualité maintenant, la rétrocession des artefacts que les Blancs ont ramassés, est-ce qu'ils sont partis avec. Et le musée de Tervuren, en Belgique, là, a plus de 6000 pièces camerounaises. Donc ça veut dire que l'État doit créer des structures. Et quand on parle, le problème de la rétrocession est celui de l'encadrement, de la sécurité, il faut garder la bonne pompe, l'encadrement, sécurité, et la préservation des artefacts lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Parce que c'est l'argument qui nous conduit et qui semble être le plus tangible. Le plus tangible, oui, puisque là, évidemment, il n'y a pas de. Parce que conserver les objets, pour conserver ces objets, il faut une certaine température. Donc c'est pourquoi il faut une certaine température, il faut le courant de façon indéfinie. Voilà, donc vous avez tout compris. Il faut les normes de sécurité, il faut les normes de propriété. Et vous savez, les objets d'art, vous voyez peut-être les pipes là, c'est la source numéro un de blanchiment d'argent. Parce que l'objet d'art n'aura pas de prix. Si tu arrives aujourd'hui là, l'interprète, le blanchiment passe par là. Donc c'est ça, il faut vraiment que l'État, parce que le travail que nous faisons, il faut vraiment que l'État crée des structures, beaucoup de structures d'accueil. Et encourage la science archéologique à émerger. Parce que là, c'est la science du troisième niveau. Je vous remercie.